Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali poya kobongisa Congo aveni ebongi tosala ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku. Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ces nouveaux challenges de votre émission Congo Story, votre émission qui relate la version non dévoilée au grand public de l'histoire de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons remonter dans les temps pour savoir comment la Belgique a colonisé le Congo. Nous apprend que le royaume Congo a entretenu ses premières relations diplomatiques avec le Portugal. Mais comment ce même pays est-il devenu une colonie belge? Le Portugal a noué des relations diplomatiques avec le royaume Congo pendant près de deux siècles. Ce contact diplomatique aurait pu permettre au Portugal de coloniser la RDC. Des conflits larvés et des ruptures diplomatiques ont cassé la présence portugaise pour arriver à coloniser le Congo. Nous sommes au 19e siècle. Les pays européens sont en plein développement industriel. Ils ont besoin de matières premières et de marchés. Le Portugal est fragilisé et va s'intéresser au marché de l'Amérique latine. Il y a deux grandes puissances en Europe. Ces deux grandes puissances, c'est le Portugal et l'Espagne. Et ces deux grandes puissances ne s'entendent pas forcément. Elles sont en opposition. C'est exactement, c'est comme qui dirait la Russie et les États-Unis de l'époque. D'ailleurs, vous vous rappelez, pourquoi est-ce qu'on a découvert l'Amérique? C'est parce que le roi d'Espagne, froissé de constater que les Portugais avaient déjà eu une avancée pour la côte africaine, afin d'aller aux Indes, va envoyer Christophe Colomb, qui est un Italien, mais enfin au service du roi d'Espagne, pour aller aux Indes par une autre voie. Donc c'est une question de concurrence. Et lorsqu'il va, il arrive, il découvre l'Amérique, il dit qu'il est arrivé en Inde. La preuve est que jusqu'à aujourd'hui, nous appelons les populations de l'Amérique des Indiens. Les Indiens, parce que Christophe Colomb a cru qu'il était arrivé en Inde. Et nous disons quelquefois Amérindien. Ça n'existait pas, c'est un concept qui n'existait pas, mais c'est pour dire, voilà, nous sommes dans cette concurrence. À un moment donné, d'ailleurs, l'Espagne va dominer le Portugal. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux puissances vont s'affaiblir et l'Europe, les puissances du nord de l'Europe vont prendre de la suprématie, notamment la Hollande et surtout l'Angleterre, avec le développement des machines au 19e siècle. Donc l'Espagne et le Portugal cesseront d'être des grandes puissances. Comme d'ailleurs depuis lors,
la France, l'Angleterre, etc., la Hollande, ne sont plus des grandes puissances. C'est maintenant la Russie et les États-Unis. Donc, il y a changement dans le monde. Donc, ce qui fait que lorsque nous arrivons au 19e siècle, le Portugal n'est plus le Portugal du temps où il y avait eu le premier contact. C'est un pays plutôt faible. Mais nous avons gardé énormément de traces de cette culture portugaise, puisque notre langage, le Kikongo, est plein de mots portugais, beaucoup de mots Kikongo que nous croyons être des mots du Congo, du terroir. Non, c'est mots portugais, n'est-ce pas? Mesa, Domingo, etc. Ce sont des mots portugais pour dire la table, pour dire dimanche. Et nombre de noms de famille. Dona, c'est un mot portugais. Dona, Conde, Comte, c'était le mot Comte. Je ne vais pas parler des noms comme Dombassi, Don Sébastien, Ndongala, etc. Tout ça, ce sont des noms portugais. Pour conquérir le Congo, Léopold II a mené plusieurs guerres. Pour s'emparer des zones des récoltes du caoutchouc, il allait mener une guerre à la population locale. Il a eu à mener la guerre dans la région du Grand Katanga, où les mines de cuivre étaient détenues par des chefs locaux. Léopold II va aussi mener une guerre pour l'ivoire, qui était une matière première importante à l'époque. C'est ainsi que lors de la conférence de Berlin en 1885 que le roi de Belge, Léopold II, a gagné les droits de coloniser les Congos, ces grands pays situés au cœur de l'Afrique. La condition était que les autres pays puissent jouir des droits de préemption, à l'instar de la France et des États-Unis. Ils avaient aussi le droit de maintenir une activité économique. Avant qu'ils reçoivent officiellement l'autorisation de coloniser le Congo, Léopold II envoyait déjà des personnes payées par l'industrie belge. Parmi eux, l'explorateur Henri Morton Stanley. La Belgique n'a pas aussi laissé son roi seul. L'envie de Léopold II était de faire de la Belgique, qui entre 80 fois à l'immense Congo, une grande puissance. Il a atteint son objectif car vers 1910, la Belgique était la deuxième puissance industrielle du monde après la Grande-Bretagne. Cet exploit a été réalisé grâce aux richesses de la République démocratique du Congo. Les Portugais, eux, n'ont plus assez d'énergie pour la conquête de la RDC. La conquête de l'Amérique du XVIIIe siècle les a coûté beaucoup. L'Amérique fut l'ensemble culturel et le Portugal et l'Espagne sont alors les deux puissances maritimes capables de relever le défi. Léopold II, un roi mégalomane, voulait aussi une colonie pour relever un challenge semblable aux Portugais et aux Espagnols. Avant même de devenir roi, il avait déjà fait plusieurs voyages, notamment vers l'Espagne, pour palper du doigt ce qui rapportait les colonies d'Amérique latine. Il était aussi allé en Chine et même en Sri Lanka pour voir ce que les plantations de thé apportaient aux Néerlandais. Même à la conférence de Berlin, Léopold II va jouer une diplomatie gagnante pour jouir de ses droits de coloniser le Congo. Il va employer toutes les pratiques pour s'enrichir et renforcer la Belgique économiquement au détriment des populations locales. Les horreurs vont se multiplier, notamment sur l'exploitation du caoutchouc au Congo. Le Congo était jusque-là la propriété de Léopold II. L'État belge va mettre la pression sur Léopold II. Il va finalement prendre les contrôles du Congo à partir de 1908, après plusieurs pressions sur son roi. Les Britanniques et les Allemands étaient aussi furieux parce que Léopold II n'avait pas tenu sa promesse. Le roi de Belge, Léopold II, voulait garder tout pour lui. Mais la rouerie de Léopold II a fini par marcher car le Congo était, après des pourparlers, une colonie belge. Les lanternes sont éteintes et cela marque la fin de cette émission. C'est avec le même plaisir que je vais vous retrouver au prochain numéro. Pour le moment, prenez soin de vous. À bientôt. Boya kobongi sa Congo aveni, e bongi to sala, te bongi to sala, montonyo so ata mwana. Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya, kasa ya mbila, Congo ya makasi, moto ya nkoi. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko.